Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Grid 2, le 13e, je crois, si ma mémoire est bonne. Et aujourd'hui, on va commencer d'abord tout simplement par un défi pour gagner une nouvelle voiture, pour débloquer une nouvelle voiture. Vous le savez, j'ai en général quelques petits problèmes avec la première course pour. Ça bug un peu, ça saccade un peu. Ça frise un peu pour trouver le terme exact. Donc du coup, depuis l'épisode dernier, je fais des courses entre guillemets sans intérêt. Hein, on va dire entre guillemets parce que il y a quand même l'intérêt de pouvoir gagner cette voiture, mais ça a pas autant d'intérêt que des courses pendant ma saison du WSR. Alors, je pense qu'on doit arriver vraiment pas loin de la fin du jeu parce que j'ai vu qu'il y avait 5 saisons, donc on s'approche quand même petit à petit là de la fin. Et alors, qui dit fin dit après forcément nouveau jeu, et je ne vais pas annoncer quel sera le jeu tout de suite. J'ai déjà mon idée. S'il n'est pas sorti au moment où j'ai fini Grid 2, eh bien il y aura une journée, on va dire, entre guillemets, sans vidéo. Ça permettra de rattraper un petit peu pour les personnes qui bossent ou qui auront cours à ce moment-là, de pouvoir aussi suivre leur série sans être obligé de les suivre le jour où elles sortent. Parce que c'est vrai qu'avec le rythme que j'ai, c'est pas forcément évident. Regardez toutes les vidéos où là j'ai eu un joli freeze. Allez. Mais le jeu, oui, le prochain jeu, je l'ai déjà. Hein, et autant être clair, je ne serai pas tout seul dans ce prochain jeu. Je serai accompagné. Par qui? Par quoi? Vous ne le saurez pas. Ça sera la surprise. Allez, va. Allez, petite AMG. Hop, je suis un peu long. Trois fois rien. Là, bien. Réussi à bien la reprendre. C'est sûr, t'as réussi à défoncer ta voiture. T'es un fou, quoi, toi. J'ai pas touché. J'ai fait un rewind à chaque fois. T'es un grand malade, toi. Tu tiens pas à la vie, bonhomme. Bon, après, par contre, je suis pas sûr d'arriver au bout. Dans les temps. Voilà, là par contre, je suis d'accord, j'ai explosé la voiture. Wow. Allez. Peut-être moyen quand même. Allez, là, on est dans une partie de la course que j'ai déjà fait. Là, bien. Oula, j'ai eu un joli freeze, mais ça va, c'est en fin de virage, donc ça m'a pas trop pénalisé. Waouh! Oula, c'est même plus un freeze là. J'ai pas tout vu du virage. Ouah, non, mais là, c'est pas possible. Ouh, ça fait deux d'affilée là. Qui sont assez, assez costauds là. Mais là, le problème, c'est que j'ai plus de... Allez, roule, j'ai plus de rewind. Donc, les freeze, maintenant, faut qu'ils se calment. Parce que là, j'ai plus la possibilité de revenir. Allez, bien passé, là. Enfin, en termes de temps, je me rends pas trop compte. Allez, bien. Ça va que c'est une grosse propulsion. Ça me laisse quand même... Allez, va. Ouais, mais je pense que ça va être juste quand même. J'ai bien peur que ce soit juste. Oh non, mais là, j'ai encore eu un freeze énorme. Oh non, j'ai perdu beaucoup trop de temps. Allez, c'est pas très grave. Putain, mais ça arrive. Oh,
J'ai quasiment 10 secondes de retard. Pouf. Bon, allez, c'est pas grave. C'était vraiment la course pour lancer le jeu. Parce que hein, déjà que j'ai eu beaucoup de freeze là-dessus. Je la referai moi, je la referai après, hein, je la referai plus tard, histoire de débloquer un peu toutes les voitures. Parce que je pense que c'est une voiture très agréable à piloter. Mais encore pour ça, faut-il l'avoir. Les épreuves de promo comme un cadeau offert aux 3 disponibles, qu'est-ce que j'ai? Chevrolet. Tu gagneras leur cœur. Allez, c'est pas gênant, hein, ça, de toute façon. Promo. J'en ai aussi, j'ai celui-là, là. Allez, on va faire le dépassement à Dubaï, tiens. Finir devant, j'aime bien ça. Allez, d'accord. Donc là, on va reprendre la SLS AMG GT3. C'est quand même une super voiture. Je vais essayer de vous la montrer d'un peu d'extérieur là, que vous puissiez vous rendre compte. Allez. Tu y es. Alors prépare-toi au départ. Allez, il faut qu'on attire plus de fans. Tu peux y arriver. Je m'attendais pas à arriver aussi vite sur les. J'ai touché là? Je vois pas bien ce que j'ai touché. T'as grande chance de gagner. Vous voyez extérieurement à quoi elle ressemble la voiture. Oh oui, bah là je vais toucher, c'est sûr. Allez! Oh là 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 là. Bah, j'étais pas concentré le temps de me remettre dans ma vue là. Évitez d'y prendre trop l'intérieur. Sinon c'est sûr là. Allez, on va s'y remettre comme il faut. Oh mais non mais. Putain. Ouais vas-y, viens. Oh là 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 là, salaud, normalement ils sont censés reprendre à l'intérieur et le mec il vient exprès me serrer contre la. Allez, oh là là, c'est catastrophique là. En fait la voiture va trop vite pour le circuit parce que je peux pas les doubler comme il faut. C'est le moment de montrer aux fans qui est le patron. Dépasse-le. Ah bah je vais essayer bonhomme, c'est pas aussi simple que ça. Oh là 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 là. Je suis arrivé un peu vite là, je crois. Oh, fait chier putain, je voulais pas taper. Allez. Putain, je sais pas, j'ai pas marqué une seule fois 1000 points. Oh mais. Ah, dégage, je sais plus par où le doubler lui. Putain, c'est un truc de malade. Oh. Sur le spectacle avec tous ces dépassements. Continue comme ça. Je parle, j'assure rien du tout, je dois être en retard comme jamais. Là. Ça va un peu mieux là. Dernier tour. Oh non. Mais dégage. Putain, je suis bloqué, je peux pas doubler. Regardez. Et voilà. Ah, oh, fait chier, ça a déconné. Le mec il vient exprès parce que sinon je vais tous les doubler. Ah, je suis vert. J'allais chercher la victoire. Dépasse-le. Je suis dégoûté, honnêtement, là, le mec, il est venu me serrer, j'étais à 1000 points, le déplacement, il est venu me serrer, se mettre de mon côté exprès. Là, pour que je perde tout, quoi. Ouais, voilà, vous avez vu, là? C'est lui qui est venu me rentrer dedans et ça me compte la collision pour moi. Aïe, 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 ça va être compliqué, quand même, là, d'aller le chercher. Parce que je pense que lui. Oh bah oui, surtout si je vais aussi vite que ça. Oh mais merde, fais chier, putain de freeze là. Oh. Oh il me saoule. Eh, franchement, il m'aura vraiment saoulé jusqu'au bout le jeu pour ça. Putain, il y a beau avoir toutes les mises à jour de fête, les pilotes, il y a tout ce qu'il faut. Et ce jeu est toujours aussi. Pourri en termes de portage PC, hein. C'est hallucinant. Ah putain,
Et là, ça m'a carrément arrêté. Et comment, là, je peux pas gagner, c'est pas possible. Maintenant, je vois pas comment le mec, il doit être à 35 000 points, là. Et voilà, encore un freeze en plein moment où je vais le dépasser, donc dans le virage. Oh là là, hop là, on va recommencer tout de suite parce que là, je pense que je vais vite m'agacer. Ah, honnêtement, ça me saoule. Là, tous ces freeze, c'est totalement injouable. Waouh. Vas-y, d'entrée de jeu, allez. Allez, on va se calmer, on va se mettre zen un petit peu parce que là, les freeze m'ont bien tendu là. D'habitude, ça dure que la première course. Là, déjà sur la deuxième, j'en ai. On va prendre un peu moins de risques. On va produire un petit peu plus zen. Maintenant, cette allure, t'as réussi à atteindre un objectif. Pourquoi elle est partie? Honnêtement, je sais pas du tout pourquoi elle est partie en zouille sur le truc d'avant. On va conduire un peu plus soft. Et ouais, voilà. Et là, j'ai été débordé sur le côté, comme un gros con. Vaut mieux perdre 2-3 secondes et marquer 800 points que vouloir en faire trop et en marquer que 100. Là, bien passé, là. Enfin, c'est affolant. Ça fait conduire à 2 à l'heure avec cette bagnole-là. Ça fait un peu mal quand même. Hein. Ouh là 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 là. Là, honnêtement, si je pile pas, mais je l'emplafonne comme jamais j'aurais emplafonné une voiture dans ce jeu. Je perds beaucoup trop de temps en fait. Sur les dépassements, c'est affolant là. Je perds un temps. Et j'ose même pas doubler dans les virages parce qu'ils viennent me serrer comme des gorées. Là, heureusement que j'ai bien négocié, bien anticipé. Faux patate. Là. Ouais, salaud, vous avez vu. Au dernier moment, il est venu se déporter. Allez, pour le moment c'est pas mal. J'ai marqué 7000 points de plus que tout à l'heure. Ouais, ça va. Là j'ai bien négocié parce qu'honnêtement j'ai bien cru que j'allais le heurter hein, dans le virage. Ah, je suis premier, c'est bon. Allez, il faut jouer celui-là, freiner là. Voilà, parfait. Wouf, salaud. Allez, on va faire autrement. On va le prendre à l'extérieur, lui. Et bon, on va le prendre rien du tout. Parce que si je le prends à l'extérieur, j'en plafonne l'intérieur après. Il faut vraiment bien connaître le circuit pour savoir où on peut doubler, comment doubler, si c'est inter, exter. Oh, collision, là c'est lui hein. Parce que moi je suis dans mon virage tranquille, c'est lui qui vient me heurter. Waouh, joli. Allez, continuons. Ouais. J'ai peut-être tendance à rétrograder un peu trop là, passer trop la première. Exter si je peux. Reprendre là le long du mur pour reprendre encore une fois l'extérieur du virage. Voilà. Passer entre les deux. Ouf. Bon. Eh bah dites-moi, déjà j'ai pas eu de freeze là. Donc ça a été quand même beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup plus facile. Sans freeze quand même. Hein. Quand en plein milieu d'un virage, le jeu il décide pas de vous faire un pouf, arrêt sur image et boum on te remet.
c'est quand même nettement plus intéressant. Et du coup, je m'énerve un peu moins. Parce que là, il y a eu un nombre de fois incalculable où je me suis retrouvé, j'attaque le virage, donc j'attaque à freiner. Après, je relâche parce que je sais comment je veux passer le virage, et boum, il freeze. Du coup, pour lui, eh ben, je fais plus rien, je freine plus, j'accélère plus, bah, je sais plus quoi faire. Donc c'est un peu perturbant. Alors, on en est où? Allez, on va attaquer là. La série de courses Rockstar Energy. C'est parti. Hey! Ah oui, Viper SRT ou Honda NSX-R. Qu'est-ce que je prends? C'est là tout le dilemme. Moi, je serais quand même tenté par la Viper. C'est quand même, ça a toujours été des belles bagnoles, les Viper. Toujours un petit peu particulière à piloter. Parce que très très joueuses de l'arrière-train. Elles ont tendance à beaucoup survirer. Donc c'est très très compliqué. Moi, je me souviens dans les Gran Turismo, c'était très compliqué à manœuvrer. Il fallait réussir à les tuner comme il faut pour prendre de moins en moins de risques et réussir à bien les contrôler. Sinon au début, voilà, on n'en faisait pas ce qu'on en voulait. Attention à tes points de freinage. Allez. Fais déraper cette voiture pour en profiter au maximum. Prends un virage, remets les gaz et maintiens le drift aussi longtemps que possible. D'accord, c'est vraiment une voiture de drift. Une voiture est tout près. C'est pas évident quand même. Hein. Allez. Sauf que là, j'ai quand même la voiture qu'il faut. Ouah ! Ouah, j'ai bien vu que j'arrivais vite là. Allez. Sauf que là, plus les voitures vont être puissantes, plus ça va être compliqué de gérer un an de six petits virages. Que les pistes sont pas larges, du moins c'est ce que je voulais dire, pardon. On a bien pris celui-là. Allez. C'est quoi ça? Super, mais bloque-moi jusqu'au bout. C'est un déconné. Le mec, je suis derrière lui, il bouge pas. Et en plus c'est moi qui suis bloqué tout le long du truc quoi. Allez, allez. Deux doigts du top 3. Continue comme ça. Là, je l'ai bien pris. Bien, bien, bien. Très, très bien. Là, pour le moment, c'est bien passé tout ça. Il y a 3 tours. Allez, bien, nickel. Parfait encore là. Ah, il passe quasiment tout en... Ouah, 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 ouah. On va éviter aussi de trop taper. Que là, j'ai quand même beaucoup tapé, je trouve. Hein. Allez, parfait. Le premier, je vais réussir peut-être à le rattraper. Allez. Ouais, je sais pas, hein. Quand même l'impression qu'il perd pas beaucoup de temps dans les virages. Là, bien pris celui-là. Là. Parfait l'enchaînement, là. Par contre, ça serait bien que je passe mes vitesses, quand même. Ouah! Ouf, là j'ai eu un freeze, je l'ai vu arriver hein, en plein milieu du truc. Oh dommage, putain, si je vais pas taper, je l'avais pris parfaitement là. J'avais fait un enchaînement quasi parfait. Il faut que je passe à passer mes rapports parce qu'il y a un nombre de fois où je suis resté bloqué en 3 là. Là bien pris encore. Tu m'étonnes, j'ai tout donné, bonhomme. Ouah!
Ouh, j'ai senti que j'arrivais fort. Très fort, trop fort. Voilà, j'ai relâché parce que sinon c'est pareil. Je pense que j'allais l'emplafonner. Et c'est pas très utile. Le but c'est pas non plus d'aller le jeter dans le décor pour le dépasser. On le doublera à la loyale. Ah parfait. Nickel. Celui-là maintenant. Waouh 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 waouh. J'ai eu un freeze encore, mais j'ai pu le négocier pour prendre cette première place. On va dire que le freeze est pas trop mal tombé. Il est tombé au moment où j'étais en train de drifter, donc ça allait, j'avais rien à faire. Je sais pas pourquoi j'en ai autant aujourd'hui. D'habitude j'en ai sur une course. Oh non, mais non, 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 ouais, c'est chiant là. Là c'est beaucoup beaucoup trop chiant là, je peux rien faire. Je suis obligé quasiment de m'arrêter pour prendre les virages là. Maintenant si je perds ma première place à cause de ça, j'ai les boules. Hein. Parce que là j'ai vraiment trop bien négocié la course pour perdre ici. Ça va. Ah franchement ça me saoule de plus en plus ces frises là. Là sur cet épisode c'est catastrophique, j'en ai à toutes les courses. Domine cette épreuve. Heureusement que j'ai réussi à bien la maîtriser par rapport au drift, parce que ça m'a permis de gagner beaucoup de temps, parce que j'ai beaucoup moins freiné que ce que je freinais d'habitude. Mais sinon ça a été quand même assez compliqué. Hein. Le trajet est complexe à Miami. Tu peux te laisser surprendre par les changements soudains. Alors sois prudent. Moi, je me laisse pas surprendre. Connais le topo. Alors bonne chance. Super. Ça commence déjà. Bloqué là. Bien, allez. Là, bien passé. Allez, remonte jusqu'au suivant. Ah putain, j'aurais pu. Wow, là, tu m'as mis un tampon, comment il m'a envoyé dans le décor, le salaud. Merci, alors il m'a carrément envoyé dans Carter. Hein. Désolé mon gars, mais là... Non, tu t'en prendras à tes potes parce que là, j'ai rien pu faire. Hein. Il faut que je la double elle parce que sinon, elle va me faire chier jusqu'au bout. Ouais, vas-y, mais arrête-toi. Sois pas si agressif. Je suis pas agressif, le mec il s'arrête devant. Oh, mais sans déconner. Oh, passe les plus vite les virages, bonhomme. Le mec il s'est carrément arrêté quoi. Et puis, comme j'étais dans la trajectoire pour prendre la corde, forcément derrière ça pardonne pas. Waouh. Là j'ai mal pris. Pour le dépasser. Je vais essayer. Il ne reste plus que 3 tours. Non mais c'est affolant. Oh les gars, arrêtez de piler comme des brutes. Putain, les mecs, on a l'impression qu'il n'y a que des épingles sur ce parcours. Alors que pas du tout en fait. Il est même plutôt... plutôt simple, il doit y avoir 2-3 virages un peu compliqués, mais... Waouh, là par contre je suis allé trop vite. J'ai pas contrebraqué assez tôt. Oh, allez. Je vais finir par la casser la voiture. Oh voilà. Je crois qu'elle est un peu mal en point. Quand j'entends les passages, les vitesses là. Enfin, j'ai voulu passer un peu vite. T'es deuxième. Va chercher. Attends, je vais essayer d'aller la chercher. Hein. Sinon au pire, tu te contenteras de la deuxième là.
Ouais, je pense qu'en vrai, avec les shoots que j'ai mis à la voiture, normalement, jamais elle repart. Là, bien. Là, forcément. Là, il n'y a même pas besoin de freiner pour celui-là. C'est là qu'il faut freiner. Ça me, voilà, ça m'a évité de taper déjà. Ouais, bien, 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 bien passé pour le moment. Ouais, je pense pas que j'arrive à le rattraper. Allez, dégage. Et si, je vais et je l'ai rattrapé, je l'ai doublé. Les mecs, ça déconne, c'est affolant comment ils s'arrêtent. L'IA, comment elle les fait s'arrêter dans les virages. Tu me dirais, c'est peut-être elle qui a raison, hein. Elle garde peut-être ses voitures entières, mais enfin bon. Regarde, dans un jeu, on peut s'amuser un peu. Yeah! Oh non! Donne tout. Keblero? Keblero? J'ai cru que c'était le dernier tour. Du coup, je m'étais fait plaisir. Petit frein à main sur la ligne d'arrivée. Mais en fait, non, du tout, du tout, du tout. Wow, wow. Ah ouais, je crois que là elle est plantée là. On va éviter d'aller taper les murs. Parfait. Honnêtement, j'ai vraiment fait le coup sur le tour d'avant. J'ai vraiment tapé très fort. Plusieurs fois, je pensais vraiment avoir trois tours comme le coup d'avant, donc j'ai peut-être été un petit peu trop impatient. Waouh, wow, wow, doucement. Pas t'emballer. Éviter d'aller taper partout là. Plutôt pas mal pour le moment. Voilà. Là, une épingle. Très bien. Ouah! Petit freeze, hein. Au moment où j'ai attaqué à déraper, petit freeze. Hey, the winner! Oh la vache. La bagnole est détruite complet. Bon, un petit peu mieux là. Honnêtement, j'aime beaucoup cette bagnole là. Après, j'aime un peu moins les freeze là tout de suite. J'en ai beaucoup, mais. T'as pris la tête du classement. Continue de tout donner comme ça. On va essayer. Tu vas essayer surtout de faire une course propre. Ça serait pas mal. Ça serait vraiment pas mal du tout de réussir à en faire une. Ah, c'est une course. Essaie de profiter de tout l'espace. Pebble Beach, célèbre ville liée au golf. Tous les amateurs de golf connaissent Pebble Beach avec son parcours juste fantastique. Allez, hein, faut que j'arrive à conduire propre. Ah, ça va être dur quand même, hein. Ouah! Putain, il me saoule à s'arrêter dans les virages. Putain, prenez la glisse un peu haut, les gars. Ouah! Elle est partie toute seule? J'ai pas pu la redresser. On peut le prendre par surprise, le dépasser et lui prendre sa place. Ouais, enfin là, ça va être dur quand même, hein. Prendre par surprise, bonhomme. Eh, mais c'est quoi ce bordel? Ils m'ont changé ma bagnole, là. J'arrive plus à la... J'arrive pas à la garder sur la route quand je pars en drift. Allez! Eh non, mais... Ouah! Et oh, 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 oh. Vous allez me rendre ma voiture. Enfin, celle-là que j'avais tout à l'heure. Et j'ai plus déjà qu'un seul... seul retour en arrière. Et faut que je marque des points parce que je suis capable de pas finir premier là au classement à la fin. Allez, dégage toi.
Ah, et par contre, non, mais il y a un truc là. Qu'est-ce qu'ils y ont fait à ma voiture? Elle réagit pas du tout comme sur les circuits d'avant. Ah, et c'est affolant. Quand je contre-braque, elle revient pas. Oh non, mais. Ah putain. Ils ont le chic pour être toujours au mauvais endroit. Il va falloir rentrer dans la course. Allez. Moins un. Ça va être dur. Ça va être très très dur d'aller chercher les premières places. Et tenter passer quatrième. Ah, c'est fait. T'es à deux doigts du top 3. Continue comme ça. Hop 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 hop. J'ai été à deux doigts de me faire complètement rétamer la gueule. Allez, faut continuer. Encore, encore. Allez, 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 allez. Faut continuer là, putain. Il est là, il est là. Je peux peut-être essayer de le doubler avant la fin. Ça va être dur quand même. Hein. Ouf, ça a été chaud là. Bon, je finirai pas troisième. Ça m'étonnerait parce que là, je vais quand même assurer cette quatrième place qui normalement me donne assez de points pour assurer ma première place au général. Donc on va éviter de faire l'andouille là parce que j'ai plus de rewind justement. Mon Dieu que ça a été chaud. Ouh, ça a été dur. Là j'ai vraiment assuré le tout pour finir premier au général. Ah, c'est un Carter qui a quand même bien cartonné là. Ah d'accord, McLaren, il y a des McLaren MP4, ça explique beaucoup de choses, moi je n'en ai pas. Sinon j'aurais pris une McLaren, hein. Au choix entre la McLaren et la Viper GTS, j'aurais pris, du moins SRT pardon, j'aurais pris la Viper. Eh bien écoutez, voilà qui va conclure cet épisode, peut-être un petit peu plus court que d'habitude. C'est vrai qu'il y a eu deux courses qui, entre guillemets, ont servi à rien au final parce que j'ai rien fait. Mais bon, promis, la prochaine fois j'attaquerai directement. De toute façon j'ai des frises tout le temps, donc j'attaquerai directement par le WSR. Essayer d'avancer quand même dans dans ma carrière. Tu en auras besoin pour partir. Là j'hésite là. Ouais, je pense que je vais prendre la KTM. Allez. D'accord. Oui, je confirme. Utilisé dès maintenant. Au travail. Hop, eh ben écoutez, voilà donc qui conclut cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Grid 2. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Ciao tout le monde.